Ça y est, j'y suis. Alors, je suis en avance. Good morning. Et je suis tout excité. J'ai salué Cliff. Il y a d'autres personnes aussi. C'est trop bien. Je me sens à la maison. C'est marrant, quoi. J'ai l'impression d'appartenir à ce groupe. Les gens sont super sympas, vraiment le stéréotype des Américains, le gars il te fait des hugs, il te dit comment, il demande comment a été le voyage, bref, en plus les gens me connaissent un peu parce que Cliff il m'a présenté comme celui qui venait de Paris, du coup c'est toujours aussi sympa, voilà j'ai hâte de vous raconter ça durant toute la journée, voilà et puis bon, il faut quand même que je profite à fond, j'aime partager avec vous. Mais il faut aussi que je profite à fond, donc je vais trouver l'équilibre, ça va aller, c'est un problème de riche. Une des conférencières a créé cette entreprise de savon fait à partir de lait de chèvre et plein de produits. Et ce qui est intéressant là, c'est que il y a un magazine qui va avec. Marketing de contenu, c'est la base de l'entrepreneuriat d'aujourd'hui, c'est juste génial. Donc, je ne sais pas si on peut en acheter en France, je ne pense pas. Mais allez jeter un coup d'œil au site. Good morning! Good morning! I was even more than I expected. I want you to join with me as we welcome none other than Cliff Ravenscraft. Excited that you are all here. On there it says dream, plan, act, get in the game. This is another one. Now this is kind of a metaphor as well for how we look at dreams. Yeah, I'm used to that though. The astonishment, the astronomical, never mind. It's great to be with a room full of entrepreneurs who are getting ready to get rid of their bottlenecks, to get their bird out of the cage and set it to sail so that the world can become a better place. Can anybody say, oh yeah? Oh yeah! There is a man, his name is Trump. He kicked my baby brother's rump. It's true. He called JetBlue Energy. That hurt Jet's feelings. He had to go home and take a nap. But you don't really care for politics, do you? But you hung it tough. You took the cake. Your strategy is to make us great. Misunderestimization never threw you. Hallelujah. 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 Alors, c'est la fin de la session régulière. Là, on va dîner à 17h. Et puis après, on va aller dans une session spéciale pour les VIP qui va durer une heure. C'était vraiment ouf. Si voilà, vous comprenez l'anglais, je pense que vous avez apprécié les quelques extraits. Mais sinon, c'est vraiment, vraiment... disons qu'il y a une mentalité... Il y a un sens de la proactivité, de vraiment cette ambition personnelle qui est vraiment impressionnante. Cette volonté de ne pas accepter son état actuel, de se dire bah, « voilà, je veux perdre du poids, bah, je peux le faire, je veux gagner plus d'argent, je peux le faire, j'ai une maladie, je peux faire quelque chose » et de ne pas rester totalement inactif et se plaindre.
C'est juste magnifique. Alors, les speakers qui sont arrivés, qui ont parlé sur scène, franchement, la moyenne d'âge, c'était peut-être 60 ans. Hein. Donc, ils ont une expérience de vie. Ça ne veut pas dire que toute leur vie, c'était des winners. C'est pas ça. Et justement, si aujourd'hui, ils sont comme ça, c'est pour la plupart le résultat de moments très difficiles dans leur vie. Et en tout cas, si je peux vous encourager une chose, c'est de ne pas attendre d'avoir 60 ans. Aujourd'hui, on a accès à des connaissances, à Internet, à des livres pas chers et accessibles. Pourquoi attendre d'être plus vieux pour pouvoir mettre toutes ces choses en application? Donc moi, j'ai l'opportunité là de venir aux États-Unis. Donc on peut pas tous le faire, mais on a beaucoup de capacités, de possibilités de le faire, notamment à travers, moi je donne un peu de contenu dans mes formations, je parle aussi de réflexion. Et j'en profite pour vous dire que je lance donc une nouvelle session de la formation Partir de rien. Si vous avez par exemple un problème avec l'argent, j'en parle, ok? Parce que ça, c'est un gros problème que moi-même j'ai expérimenté. Comment on peut croître dans son business et être indépendant financièrement si on voit l'argent comme quelque chose de mal? Donc voilà, on parle de ça. Sinon, j'ai eu quelques autographes d'auteurs, dont Dan Miller, qui est vraiment une sommité, ça se dit comme ça. Et sinon, il y a eu quoi d'autre? J'ai pu offrir mon livre à, voilà, je vous mets les photos, à Leslie Samuel, qui est quelqu'un qui m'a beaucoup formé au début. J'ai donné aussi mon livre à Dan Miller parce que, en fait, je cite son livre dans mon livre. Donc ça, c'était vraiment sympa de lui offrir mon livre, même s'il ne comprend pas le français, évidemment. Et puis, voilà, les gens super sympas et super proactifs. Et voilà, je vais partager un peu plus sur le podcast qui va être disponible quelques heures après cette vidéo, normalement. Donc, où je vais parler un peu plus en profondeur de ça. Et voilà, je vous laisse regarder cette belle vue. Ah, il y a un truc par contre, c'est qu'il fait trop froid ici. Franchement, ils mettent la clim à fond, les Américains. Voilà. Je vous dis à demain pour la deuxième journée de la conférence, sachant que ça dure 2 jours et demi. Donc, ça se termine dimanche midi. Je vous dis à très bientôt. Et puis, prenez soin de vous. Agissez. Parce que les résultats viennent à travers l'action. Je vais vous laisser sur ça. C'est une équation que Cliff a partagée. C'est que nos pensées et nos émotions, qui sont notre système de pensée, de croyance en fait. Parce qu'en anglais, c'est « thoughts and emotions ». Donc, nos pensées et nos émotions vont déterminer nos actions. Par exemple, ce que je pense de l'argent, j'ai un problème avec l'argent, j'ai un mauvais sentiment parce que pour moi, gagner de l'argent, c'est mal. Ça va déterminer nos actions et nos actions vont être égales aux résultats qu'on va obtenir. Donc, si on veut des bons résultats dans notre vie, pas que financiers, hein, mais il faut avoir des bonnes actions. Et pour avoir les bonnes actions, il faut avoir un bon état d'esprit. Et en fait, cette formule, ça donne l'acronyme TEAR, T-E-A-R, donc Thoughts, Emotions, Actions, Results. Et TEAR, en anglais, ça veut dire larmes. Et en gros, il nous encourage à utiliser cette formule parce que si on ne l'utilise pas proactivement, c'est des larmes de tristesse et de souffrance. Si on l'utilise activement, proactivement, ce sont des larmes de joie qui vont couler. Et donc voilà, ça m'a beaucoup inspiré. Hâte d'écouter ça, de revenir demain. Et puis là, on va aller dîner. On a mangé des tacos à midi. C'était pas mal. Je sais pas ce qu'on mange ce soir. Et puis, session VIP.